Ah, enfin, le dernier cadeau de ce soir. Après celui-ci, nous pourrons rentrer à la maison. Oh non, mes reines ont disparu. Oh, pourquoi sont-ils partis? Quoi? Père Noël? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Mila et Merfel. Oh, c'est terrible. Mes reines ont disparu. Oh non! Où ont-ils pu aller? Je n'en ai aucune idée, mais je dois les retrouver. Mila et Merfel, vous voulez bien m'aider? Bien sûr, Père Noël. Merfel, transforme-toi en reine. Allons-y. Allez, allez, allez. Je n'arrive pas à croire que c'était si facile de voler les rênes des Pères Noël. Oui, Stan. Et maintenant, nous avons notre propre traîneau volant. Oui, et nous pouvons facilement voler les cadeaux de Noël par les cheminées. Oh oui. Et enfin des cadeaux pour nous. Oh, regarde tous ces cadeaux, Stan. Oui. Oui, tout est à moi. Tu ne veux pas dire à nous? Oh, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Allez, allons à la prochaine maison. Oh, regarde, là-bas. Oh, vous avez trouvé mes reines? Non, c'est un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël? Abandonné par terre? Comment est-il arrivé là? Oh, regardez! Un autre! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas, mais si on suit la piste des cadeaux de Noël, je suis sûre qu'on va les découvrir. Noël, je vais juste jeter un petit coup d'œil à mes cadeaux. Oh, je suis désolée, Père Noël, je voulais pas regarder. Waouh, regarde tous ces cadeaux. Merci, Père Noël. Hey, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Laisse ça, ces cadeaux sont à nous. Non, il y a mon nom dessus juste ici. Ah, espèce de petit. Stan, attention! Ah non! Père Noël, regarde! Là-bas! Oh, ce sont mes reines! Hein? Ce sont les bandits! Et ils ont tous les cadeaux de Noël? Oh, oh, oh! J'aurais dû me douter que c'était vous deux qui aviez volé mes reines! Hé! Hey, Mila et Morphel, vous êtes aussi là pour recevoir vos cadeaux? Hein? Hugo? Merci pour le cadeau et la balade amusante, Père Noël. Ah, c'est le meilleur Noël de tous les temps. Je suis content que tu te sois amusé, Troy. Mais à cause des bandits, j'ai du retard et je dois encore livrer tous ces cadeaux de Noël. Et vous deux, vous allez rester là pour réfléchir à ce que vous avez fait. Allez, Hugo, on va te ramener à la maison. Oui. Stan, le Père Noël nous a vraiment laissés ici? Non, je suis sûr qu'il va revenir nous chercher. N'est-ce pas? Cette girafe a l'air un peu malade, Morphel. Oh, Mila, Morphel, c'est terrible. Tous les animaux du zoo ont attrapé la grippe. Et il faut les emmener voir un docteur. Nous pouvons vous aider, gardien Kenneth. Morphel, transforme-toi en ambulance. Mmh.
par ici, tout le monde. Vous allez vous sentir mieux en un rien de temps. N'êtes-vous pas content que nous ayons amené les animaux chez le docteur, gardien Kenneth? Oui, bien sûr. Évidemment, je suis content, Mila, mais... Mais cet après-midi, beaucoup de gens vont venir visiter le zoo. Et il n'y aura pas d'animaux à leur montrer. Je crois que je sais quoi faire pour régler ça. Repartons au zoo. Morphel, transforme-toi en kangourou. Oh, quelle bonne idée, Mila. Oui, ça pourrait bien marcher. Oh, regarde, grand-mère, un kangourou. Oh, il est très beau, ma chérie. Voyons ce que cette cage devrait avoir. Il y a écrit « tigre ». Je ne vois pas de tigre. Morphel, transforme-toi en tigre. Voilà. Gardien Kenneth, où est la girafe? Je crois qu'elle est en haut de l'arbre. Elle aime bien faire ça, tu sais. Oh, les singes! Ouh! Y a quelqu'un dans la famille singe? Pas d'éléphant. C'est étrange. Vite, Morphel! Tu dois te transformer en singe! Non! L'éléphant est le plus important. Fais quelque chose, Morphel! Yo! Quoi? Un éléphant? Mais c'est écrit que tu es supposé être un singe. Vous avez dit éléphant? Où est-il? Quoi? Lion. Où sont les perroquets? Je ne trouve pas les rhinocéros. Les crocodiles sont-ils encore endormis? Morphel, tu dois te transformer vite. Oh, wow! Oh, quel incroyable animal! Cool des animaux. Bien joué, Morphel. J'étais impatient de venir te chercher. Allez, c'est parti! Quoi? Vous emmenez Mila? Eh bien, j'emmène Mila en prison. Mila! C'est même pas une vraie. Oh, je n'aimerais vraiment pas rester enfermée ici longtemps. Morphel doit plus aider Polly.
Oust, allez, oust, j'ai dit, partez de mon jardin, allez, oust. Mais que fais-tu ici, Murfel? Hein? Mais que fais-tu? Vous très méchant avec Oiseau. Murfel policier vous emmène en prison. Mais tu ne peux pas emmener les gens en prison comme ça, Murfel. Oh non. Quoi? Ça, c'était plutôt drôle. Magnifique. Où sont passés tous mes pneus? Quoi? Oh non, une amende pour pollution. Quoi? Je n'ai pas le droit de m'allonger sur l'herbe au parc. Mais enfin, je ne comprends... Murfel donne amende. Eh bien, je ne comprends plus rien. Oh, les enfants de nos jours, hein. C'est parfait. Juste parfait. C'était génial. Et tu te souviendras toujours de rester hors de la prison. Ah non! Mais enfin, tu ne peux pas emmener les gens en prison comme ça, Murfel! J'ai passé un bon moment avec notre petit ami rouge! Quel dommage! Moi qui voulais vraiment prendre en photo un caméléon, oh! Bien sûr! Les caméléons peuvent changer de couleur pour se camoufler et ils deviennent très difficiles à voir. Ah! Wow. Murfel veut être caméléon aussi! Murfel, trouve pas caméléon! Regarde, par ici, Murfel. Oh, te cache vraiment bien. Oh, c'est une super idée. Joue à cache-cache. Caméléon, est-ce que tu veux jouer à cache-cache avec nous? Super, allons-y. 1, 2, 3. Pas trouvé, caméléon. Il est vraiment doué pour se cacher. Te voilà. Ok, faisons une autre partie de cache-cache. 1, 2, 3.
Bonjour, Mila. Bonjour, Monsieur Gouache. Est-ce que je pourrais vous emprunter un peu de peinture et un pinceau? Oh, bien sûr que tu peux. C'est toujours super de voir les futures générations s'intéresser à la peinture. Si tu veux, je peux te donner okay, des cours. Je suis prête. Caméléon, cette fois, c'est toi qui compte et qui dois nous trouver. Ok, Marfel, arrête-toi ici. Hein? Maintenant, ne bouge surtout plus. Tada! Oh, le caméléon arrive. Ne bouge pas, Marfel. Tu m'as trouvé. Mais tu dois quand même trouver Marfel. Voilà. Et tu as le caméléon avec toi. Ah. Attends une seconde, oncle Wilfried. Oh, ça fera l'affaire. Merci, Mila. Maintenant, Merfel, j'aimerais bien faire une photo de toi en caméléon. Merfel? Merci, je ne serai jamais capable de danser aussi bien sans mon cher animal de compagnie magique, l'oiseau sonore. Oh, merci. Avec le pouvoir magique de l'oiseau sonore, il peut ressembler à tout ce qu'il veut. Oh oui, y compris la musique. Je suis tellement heureux de l'avoir. Pas dans ma ville. Ah, c'est l'agent de police, Freeze. Cours! Je vais devoir te mettre une amende. Tu te souviens de la fois où tu es allé avec l'officier de police Freeze, Marfel? C'était tellement drôle. Oh, ce n'est pas l'agent de police Freeze, Yon. Je suis un animal de compagnie magique. Oh, il est si mignon, Stan. Il parle exactement comme moi. Ah oui, volons-le, Yon. Quoi? Je suis sûre que vous ne pouvez pas juste me voler. Qu'est-ce que tu veux en faire, Stan? D'abord, on va s'occuper de l'officier Freeze. J'ai justement un plan. Officier Freeze, ne vous retournez pas. C'est moi, monsieur le maire. Quoi? Qu'est-ce que je peux... Pas de temps à perdre. Le géant des montagnes est en train de commettre des crimes odieux. Oh non! Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il déplace des rochers sans autorisation. Oh non! C'est un crime et je m'y connais. Je t'aurai, géant des montagnes! Tu l'as bien eu, Stan? Oui, avec l'oiseau sonore dans la bande des mobiles, nous pouvons utiliser ses pouvoirs nous-mêmes. Maintenant, il est temps de passer à la deuxième partie de notre plan. Jouer est un travail manuel. Je vais demander à papa si on peut avoir de la glace. Crème glacée! Marfel, j'ai de la crème glacée. Derrière toi. Mais ne regarde pas. Joue un jeu. Ouais, Marfel aime le jeu. Super. Ok, ferme tes yeux et suis ma voix. Continue tout droit. Tourne un peu à droite. Continue. Hein? Mais où va-t-il? Et stop. Ok, nous sommes presque à la crème glacée. Oh, glace! Mais pour avoir de la crème glacée, eh bien, j'ai besoin que tu te transformes en boule de démolition. Maintenant, on fracasse la porte de la banque, Morphel. Hein? Mila agit bizarrement. Non, je suis très bien. Tu dois juste casser la porte de la banque. Non, Morphel ne crois pas que Mila vole une banque. Oh, bandit! C'est
casse les portes, Morphel. Non, ne casse pas la porte de la banque, Morphel. Mila. Utilise ta boule de démolition pour écraser le bouton de la bande immobile. Oui. On a perdu! Fuyons, Yann! Oui, Stan! Ça n'était pas moi! Crème glacée! Attention, tout le monde! Requin dans l'eau! Dire à ces requins qu'ils ne doivent pas effrayer les gens. Transforme-toi en requin. Requin, arrêtez de faire peur aux gens. Mais que font-ils? Regarde, les requins robots ont fait partir tout le monde de la plage. Ouais, alors maintenant on peut voler toutes leurs serviettes. Je ne reviens pas que nous ayons réussi à berner le professeur Rachid en lui disant que nous voulions ces robots pour faire des recherches sur les requins. Ah oui alors, et qu'il l'ait fait en échange d'un simple sandwich à l'œuf. En parlant de ça, à propos, où sont passés nos requins robots? Ah, pas encore ces deux-là. Morphel, deviens un énorme requin aussi. Vous n'êtes rien comparé à notre robot. Attrapons-les. Maintenant, ajoute des jambes, Morphel. Nous devons sortir d'ici. Oh, regarde, Stan, nos requins robots sont venus nous sauver. Ce ne sont pas des requins robots, Yann. Ce sont des vrais requins. À l'aide, à l'aide.
aujourd'hui. Ouais, les vrais requins sont dangereux. Et que nous ne devrions pas nous déguiser en requins pour effrayer les gens. Exactement. Bon, nous, on va à la plage. Les animaux magiques, occupez-vous bien du magasin pendant notre absence. Au revoir, tout le monde. Merde. Bon, au travail, Yann. Est-ce que tu as goûté, Stan? C'est trop bon. Bonjour, madame. C'est la chaleur qui vous dérange? Oh, terriblement. C'est gentil à vous de demander. Allez, vise-la, Yann. C'est beaucoup mieux, non? Le dernier dans l'eau est un cornichon. Aïe! Oh! Ouf! Comment cette glace est-elle arrivée ici? Pas besoin de me remercier. Profitez-en! Ne t'inquiète pas, papa. Nous allons les arrêter. Transforme-toi en Morphel Lion Géant. Et maintenant, finissons-en. Ça c'est fait. Oh non, Morphel. Ne t'inquiète pas, Morphel. Je vais te sortir de là. Alors, ils ont eu Morphel aussi? Papa, tu es libre. Oui. Nous avons de la chance que le soleil soit si chaud aujourd'hui. Maintenant, sortons Morphel de là. Yeah! Maintenant, transforme-toi en Monster Truck. Mais avec des pointes sur les roues pour ne pas perdre l'adhérence sur la glace. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu veux de la crème glacée? Robot Freeze a quatre modes. Éteint, indulgent, strict et vraiment sévère. Il ne faut jamais tourner ce cadran sur vraiment sévère. Pourquoi pas, professeur?
Pas de problème. Voyons voir ce que Robot Freeze peut faire. Vous semblez être de gentils enfants. Maintenant, voyons voir s'il peut arrêter les criminels. Avec les bandits qui causent autant d'ennuis, j'aurais bien besoin d'aide pour mon boulot de policier. Marfel, transforme-toi en voiture de police. Parfait. Il faut attacher votre chien. Oh, pardon, officier. Passez une bonne journée, jeune fille. Oh, eh bien, merci. Attention de ne pas envoyer votre ballon dans les fleurs. Dans ma ville. Voilà pour vous une amende. Quoi? Mais... Oh! Oh! Oh, mon ballon! Oh non! Quelque chose ne va pas. Robot Freeze a sûrement son mode très strict. Regardez! Quoi? Voilà une amende pour avoir marché sur l'herbe. Ah bah, je ne marchais même pas sur l'herbe, dis donc! Mais vous étiez sur le point de le faire. Quoi? Nous devons tourner son cadran sur un autre mode. Yeah! Inacceptable. Il faut à tout prix qu'on l'arrête. Mais comment? J'ai une idée. Il faudrait que Robot Freeze vienne à nous. Change-toi en mégaphone. Je suis sur le point de marcher sur l'herbe. Stop. Voilà une amende pour vous. Maintenant, Marfel. Phew. Vous l'avez fait, Mila et Marfel. Ah, non. Peut-être que deux policiers, c'est un peu trop. Coucou, Milae. Oh, Morphel. Mais tu es tout sale. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tout d'abord, nous avons vu une dame qui nous a demandé de l'aider à récupérer son chapeau. Oh, j'ai perdu mon chapeau. Pourriez-vous m'aider à le retrouver? Morphel s'est transformé en chien et a cherché le chapeau partout. Trouver chapeau. Oui. La dame était très contente que Marfel le retrouve. Ensuite, nous avons vu Mécanique Joe. Marfel, j'ai besoin de ton aide. Ma dépanneuse vient de tomber en panne. Marfel transformé en éléphant. Et en triceratops.
Vraiment, merci, Morphel. Pourquoi vous n'avez pas remorqué la dépanneuse? Oui. Mais Constructeur Lawrence... Ensuite, Constructeur Lawrence nous a demandé de l'aide. Je crois que j'ai oublié ma perceuse en haut de l'immeuble. Morphel Gru! Ah, merci, Murphle. Super travail, Murphle. Mais maintenant, il faut que tu prennes un bain. Bain? Murphle aime pas bain. Murphle, reviens! Mais où est-il passé? Te voilà. Oh oh. Allez, Morphel, c'est juste un bain. Non. Attrapé. Non. Eh bien, au moins, Murphle est enfin dans le bain. Murphle aime bain. Quoi? Maintenant, tu aimes ça? Et celui-là, c'est Kuti. Oh! Qu'il est mignon! Et quand il est heureux... Oh, un monstre! Non, attendez! Oh, zut! Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Ben, ce que Kuti aime le plus, c'est faire peur aux gens. Mais quand il le fait, les gens s'enfuient et ne veulent pas être ses amis. Ah oui, Kuti, peut-être que tu devrais aller avec Mila et Murphle demander des bonbons. Oh oui, alors. Cool, on va bien s'amuser. Bonjour, Monsieur Vent Debout. Ce sont vos costumes d'Halloween? Ils ne font même pas peur. Non, attendez. Oh, je suis désolée, Kuti. Mais je ne pense pas que Monsieur Vent Debout aime Halloween de toute façon. Allez, continuons. Oh, regarde-toi, tellement effrayant. Qu'est-ce que tu es censé être? Costume. Je n'ai pas eu aussi peur depuis des années. Yeah! Merci beaucoup. Maman, ils ont volé mon costume. Quoi? Qui a fait ça? C'est nous. Nous sommes maintenant les voleurs des costumes d'Halloween. Et le costume de ce petit gars est de loin le plus effrayant. Il nous le faut.
l'âne. Il ne veut pas s'enlever. Allons-nous-en, Yann. Marvel, transforme-toi en araignée. S'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Tu as sauvé les costumes de tout le monde. Je suis désolé de t'avoir traité de monstre tout à l'heure. Voudrais-tu être mon compagnon? Il faut que j'aille faire quelque chose, Marvel. Mais c'est un secret, donc tu ne peux pas venir. Oh, mon folle, viens aussi. Non, Marvel, tu dois attendre ici. Au revoir, Marvel. Mila. Hey, quoi de neuf, Marvel? Papa, c'est où est Mila? Non, désolé, Marvel. Aujourd'hui. Mila, ici? Quoi? Non, Mila n'est pas là. Marvel, elle n'est pas là. Mila, par là? Non, Marvel. Où est Mila? Marvel pleure. Pas dans ma ville. Allez, viens, Marvel. Je parie que Mila t'attend à la maison. Pas si vite, Marvel. Tu n'as même pas vérifié dans le jardin. Mais vous devez dormir de 9h à 7h. C'est l'heure d'aller combattre le crime. Juste après le brossage de dents.
je me demande bien d'où peuvent venir tous ces jouets pour animaux magiques. Morphle sait pas. Allez, rangeons tout ça et faisons une enquête sur ce mystère. Oui. Mais nous ne sommes que tous les deux et il y a beaucoup trop de jouets. Les choses sont tellement plus faciles si nous travaillons ensemble. Mais comment tous ces jouets ont pu s'entasser ici? À cause de Double Tout. En fait, il a le pouvoir magique de créer des copies de n'importe quoi. Drôle! Tiens, qui ça peut bien être? Bonjour, monsieur! Nous sommes d'innocents garçons scouts en promenade et nous vendons des cookies. Ils ont l'air délicieux. Je crois que je vais en prendre quelques-uns. Oh non! Mila, Morphle, les bandits ont enlevé Double Tout. Oh! Nous devons les rattraper, mais ils ont pris beaucoup d'avance. Que pourrions-nous faire pour les attraper? Précis. Pas assez rapide. Morphle, change-toi en... voiture de police? Super rapide. Ah! Les voilà! Oh non, cours! Où sont-ils passés? Je suis sûre qu'ils sont partis par là. Hein? Regarde, Morphle, ils sont derrière nous maintenant. Mais comment ça se fait? On vous tient maintenant. Double Tout n'est pas avec eux, Morphle. Où avez-vous emmené Double Tout? Double Tout? Peut-être qu'il est avec les voleurs d'instruments de musique. Ou alors avec les voleurs de plumes. Beaucoup trop de voleurs. Ou peut-être qu'il est avec... les voleurs de Morphle. Morphle, transforme-toi. Et nous, on est les bandits Sparadrap. Oui. Morphle. Avec notre nouvelle bandit mobile, on peut utiliser les pouvoirs de n'importe quel animal magique. Pas besoin de s'en mettre pour lui donner des ordres. Et avec Double Tout dedans, on peut créer des doubles de nous-mêmes. Pouah, des roues? Mais on ne veut pas être des voleurs des roues. Nous serons... des voleurs de trombone. Oui. Nous, les voleurs d'animaux magiques, avons volé Morphle. Super! Transformons-le en bulldozer pour qu'il nous aide à voler toutes les roues des voitures! Oh non! Transforme-le en pêche à épiler pour que ce soit plus facile de déplumer! Ça ridicule! Complètement idiot! C'est vous, les idiots! Oh, il y a plein de Morphle! Ya! Morphle, transforme-toi en bulldozer! Morphle, change-toi en pince à épiler! Les Morphle ne font rien du tout. Bien sûr que non. C'est parce qu'il faut les mettre dans la bandit mobile. Ne fais pas ça. Si tu remplaces Double Tout, nos copies vont disparaître. S'échapper? Morphle à plan? Changeons quoi? Non. Morphle pas plan. Tricycle? Non. Pas assez rapide. Morphle besoin Mila. Enfin, maintenant, il faut absolument que je retrouve Morphle. Mila, Mila et de Morphle. Mila a trouvé plan.
trop de voleurs. Et s'ils travaillent tous ensemble, on ne pourra jamais les arrêter. Voleurs pas travailler ensemble, voleurs se battent entre eux. Vraiment? Alors je pense qu'on a peut-être une chance. Morphel 1, transforme-toi en T-Rex. Morphel 2, transforme-toi en robot. Morphel 3, change-toi en éventail géant. Maintenant les Morphels, débarrassez-nous de ces plumes. Oh non! Morphel 4, change-toi en tremplin. Double tout! Il nous faut plus de plumes! Non! Il faut plus de roues! Enfoie les roues! C'est une idée stupide! C'est toi, l'idée stupide! Non! Il nous faut des roues! Des plumes! Eh bien, je crois que maintenant, on peut libérer Double Tout! Ce n'est pas ce que nous devons faire. Si, nous devons faire ça. Morphel, change-toi en grand robot et attrapons ces bandits. Hé! Quoi? Et puis, il y avait 4 Morphels et 4 des bandits. Et c'était vraiment excitant. Waouh! Ça devait être effrayant. Nous, pas peur. Mais les bandits n'ont pas su travailler ensemble et se sont battus. Et pendant ce temps-là, on a pu sauver Double Tout. Et après, il n'y avait plus qu'un seul Morphel. 2 Morphels, 2 câlins. Oh. Hey, Yann. Oui, Stan. Je suis content que tu sois resté quand tous nos doubles ont disparu. Oh, moi aussi, Stan. Bonne nuit, Yann. Bonne nuit, Stan. Oh, Morphel, je veux jouer au conducteur de train. Transforme-toi en train. Conduisons le train dans toute la ville. Ma voiture est tombée en panne. Maintenant, je ne peux plus faire mon safari photo et prendre des photos de tous ces animaux. Mais, oncle Wilfert, tu peux venir avec nous. Nous pouvons t'emmener partout où tu veux aller. Oh, merci beaucoup, Mila et Morphel. Si on allait à la mer.
Ces photos vont être incroyables. Ouais. Mon appareil photo, rends-le-moi! S'il te plaît, rends-le-lui, singe! Waouh! Ce singe a la même passion que moi pour la photographie. J'ai une idée! Il nous manque encore une photo. Une photo de groupe de nous tous. Tu veux bien prendre une photo de nous, le singe? Regarde, Morphle. Toutes ces choses ont perdu leur couleur. Oh! Morphle, change-toi en pinceau magique. La 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 la. Morphle, l'herbe n'est pas bleue, elle est verte. Oh! Était vert. Blanc. Toutes ces choses n'ont plus de couleur. Comme moi. Oh, 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 oh. Ah ah! Mais alors, c'est donc toi qui voles toutes les couleurs de la ville. Tu ne devrais pas faire ça. Un monde sans couleurs, ce n'est pas du tout amusant. Oh, 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 tigre rigolo. Oui, c'est rigolo. Et si nous peignons d'autres animaux dans des couleurs amusantes? Oui. Oh.
traumatique. Je te cherchais. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville parce que tu as enlevé toutes les couleurs. Marvel peut aider Chromatique à tout repeindre dans les couleurs d'origine. Notre camion de pompier a perdu sa couleur. Morphel et Chromatique vont vous aider. Non, Morphel. Un camion de pompier est toujours rouge. Comme toi. Merci beaucoup, Morphel et Chromatique. Salut, monstre des nuages. Oh. Eh bien, il semble que vous aviez raison. Allez-y. Waouh, tu as déjà résolu tous les problèmes de la ville. Morphle et Chromatique font une sacrée belle équipe. Chromatique aime vraiment colorier. Bien sûr qu'il aime. Oh, j'ai une idée. Chromatique, tu aimerais avoir un ami humain qui aime les couleurs comme toi? Incroyable! Tu es l'animal magique parfait pour un peintre comme moi.